Très bien. Bon, maintenant je pense qu'on va faire les barres de vie, les dégâts et tout. Ok? Merci Dro pour le follow, d'ailleurs. Droé. Qu'on n'a pas vu. Normalement, il est affiché dans l'historique. Non. D'accord. Très bien. Donc on va faire les barres de vie. Donc les barres de vie, elles seront sur les ennemis. Donc là, on va prendre le préfab. Le square ennemi. On va le mettre en 0-0. Et on va mettre sa barre de vie. Alors. Le problème, c'est qu'il faudra repositionner la barre de vie. Alors moi, l'idée que j'avais, c'était mettre la barre de vie à l'intérieur de l'ennemi, en fait. Je sais pas si c'est une bonne chose. En fait, du coup, ça décolore l'ennemi, en fait. Ou ça le colore. Ça change la couleur, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire une vraie barre de vie qu'on met au-dessus? Ou est-ce que vous voulez faire autre chose? Bon, allez, on va partir sur une barre de vie. Life bar. Boom. Donc il sera du pixel qu'on va mettre en verte par défaut. Voilà. Qui sera donc en size 0.1. Un truc comme ça. L'encore. Ouais, mais c'est ça qui est chiant. J'aime pas l'encore. Mal foutu tout ça. En fait. Parce qu'en gros, moi je voudrais diminuer la size en X de la barre. Donc quand elle atteint 0,9, 0,8, etc. machin. Bon, à la limite, ça peut faire joli, hein, mais c'est pas terrible de la réduire comme ça. Bon. En Y, on la met au-dessus. Alors peut-être pas au-dessus comme ça, mais genre 0,5, 6, par exemple. On peut éventuellement mettre un fond noir. Un petit peu plus quand même. Voilà. On peut également mettre un fond noir. Ok. Bon là du coup regardez ce qui va se passer. C'est que du coup là je vais apply mon préfab. Ça va. Ok. Du coup la life bar est dedans et maintenant quand on spawn les ennemis ils auront une barre de vie. Le problème c'est que... Ah non c'est bon ça scale en fait. D'accord. Donc plus les ennemis sont petits, plus la barre de vie sera petite. Ok, bon, c'est pas vraiment ce que je veux. Parce que regardez, si jamais on fait un ennemi tout petit, l'ennemi de la wave 1, on va le mettre 0,1. Donc c'est vraiment tout petit, bah la barre de vie, elle sera pas vraiment visible, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, et là, en plus, c'est projectile. Sont pas assez rapides. Ouais, mais j'ai pas envie de les mettre trop rapides non plus, les projectiles. Donc la move speed à 5, en fait, c'est. Je les ai mis à quoi le projectile? Ah, bah j'ai pas encore fait de projectile scriptable object. En fait, il est là, mon projectile. Ok. Et j'ai mis sa speed. Eh bah, je sais pas combien j'ai mis sa speed. Combien j'ai mis la speed du projectile? Bah, j'ai mis 10. What? Normalement, il est censé aller plus vite. Ah oui, ben non. Bah si. Normalement, il est censé aller plus vite. Bon, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est init. Là, on va rajouter donc du coup le projectile behavior. Enfin, le projectile scriptable object. Donc, un projectile, ça. Une speed, on a dit du coup.
Et une size, on va mettre. Et une color. Allez. Et un sprite. Bah non, le sprite, on le définit, on a dit. Ouais, bon, une comme ça, hop. Et donc, du coup, ok, on va faire comme ça. Et une color. Et du coup, une size. Ok. Du coup, projectile. On va mettre circle projectile. Hop, circle projectile. Très bien. Ok. Circle projectile. Donc, ce sera projectile behavior. Bah non. On va le mettre sur la tour en fait. Donc, dans l'init, c'est ça. Dans l'init, on va lui mettre un projectile. Ce sera notre projectile. Et la speed, on va du coup la définir comme ça. Hop. Donc là, projectile properties. Et voilà. On aura donc la float et le truc, pardon. Et donc là, on fait donc speed égale projectile.speed. Et du coup, on initialise la color et tout, le sprite, machin. Donc on va choper le sprite renderer du projectile qui va être getComponent de renderer. Hop. Le renderer.sprite ça va être le projectile.sprite. Le renderer. Ah et on a size. Ouais. Je sais pas encore si on va utiliser la size du sprite. On verra. Ok, le renderer.color, ce sera la projectile.color. Et du coup, comme l'autre, le transform.localsize, scale, pardon, ce sera un new vector 3, qui sera donc projectile.size, projectile.size, et voilà. Et donc ça, on l'a où? Et bah ça, on le met dans la tour, en fait. Donc c'est là où la tower... C'est un scriptable object qui aura du coup un float qui sera, on va mettre ça en int plutôt, qui sera les dégâts, donc damage. Attendez 2 minutes. Hop, désolé. Donc, on a les damage de la tour, on a l'attack speed de la tour, et on a donc du coup, ça sera là qu'on mettra le projectile, et on aura éventuellement donc on aura le sprite de la tour. Alors c'est là où ça va être un peu compliqué, on va devoir définir plusieurs sprites en fait. On aura un sprite pour la base de la tour. Éventuellement la color, base color, ensuite un sprite pour, bah c'est tout en fait, un sprite pour la tourelle quoi, turette, et color pour turette color, putain, ok. Et c'est là que je pense on mettra des... On fera plutôt des sprites, des vrais sprites plutôt que d'autres choses. Salut Nimeisan. Installe-toi confortablement. Nous sommes en train de faire un tower defense avec Unity. Et là, on fait joujou avec les scriptable objects. Voilà. C'est trop bien. Ok, donc, pas sprite, turette, ok. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Bah, le coût de la tour, en fait. Ça serait pas mal. Cost. Et éventuellement le ready time, le fameux ready speed, non je l'appelais comment, tower behavior ready time, ouais, tower ready time. Ok, je regarde et j'essaye d'apprendre. Ok, pas de soucis,
Si tu as des questions, n'hésite pas. C'est fait pour ça, le chat est fait pour ça. Hop. T'aimerais te lancer aussi? Eh bien, je ne peux que t'encourager. Je ne peux que t'encourager. Alors, j'ai juste fait une merde dans mon truc à projectile. Effectivement, c'est un sprite renderer. Et init ne prend pas un argument, et c'est là du coup dans la tower behavior qu'on instanciera. Donc là la tower, ah oui, range, j'ai oublié le range bien entendu. Float range. Hop. Ok, et donc c'est là où on initialisera la tour. Donc on aura une fonction init comme les autres qui prendra la tower en paramètre. Et là on va copier-coller tous les trucs et on va voir ce qu'on en fait selon tout le bordel. Donc projectile. Ah oui, bien sûr. Ah oui, donc oui, bien sûr, attendez. Parce que le projectile. Bah non, il a un sprite et tout. Bon, à la limite, le projectile, on peut éventuellement enlever le sprite et la color et le size, et en fait, on met juste la speed. Et puis, on fera un. Ah bah non, non, non. On peut juste enlever sprite alors. On le mettra en fait. Les projectiles, on en fera un pour chaque truc et tout. Tu peux expliquer un peu comment tu structures tout ça pour un nul que je suis? Alors, ça dépend à quel niveau tu es. Qu'est-ce que tu veux exactement. Qu'est-ce que tu veux exactement savoir? Et à quel niveau tu es? Parce que ça dépend de ce que tu connais sur Unity, de ce que tu connais sur les jeux vidéo, de ce que tu connais sur la programmation. Tout ça, tout ça. Donc ça dépend complètement. Du coup, toc. Et je vais les mettre juste au-dessus en fait. Bon, à la limite, sinon on peut éviter de se casser la tête. Ouais, en fait, je suis con. On peut. Je suis un peu con, des fois. On peut en fait dans enemy au lieu de mettre tout ça là, bah je mets simplement. Ah oui, mais non, je veux accéder au truc moi. Bon, c'est pas grave. Ok, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Ok. Donc init. Hop, du coup, Nemelisan, vas-y, hein, t'inquiète, dis-moi exactement ce que tu veux savoir. Et quel est ton niveau surtout aussi. Parce que je peux pas partir dans des explications si, c'est des trucs que tu connais déjà ou des trucs que tu connais pas, tu vois. Donc, on a besoin du damage. Donc, le damage, ça sera un field. Donc, tout ça, en fait, ça sera plus sérialisé. Donc, ça sera un field, donc damage. Ok. Ensuite, la range, ce sera également un field. Ensuite, l'attaque speed. Oui, aussi. Ah oui, d'accord, transforme turret. Putain, j'ai fait ça comme ça. Ensuite, float ready time. Ensuite, le cost. Bah, le cost en vrai, vu que la tour est initialisée, ouais, bon. Éventuellement. On met ça public. On va peut-être en avoir besoin. Le bas sprite sera initialisé, la tourette color sera initialisée, donc tout ça c'est bon. Et c'est là en fait on aura un peu de mal. Bon. Donc ça du coup c'est bon, ça du coup c'est bon, ça du coup c'est bon. Et c'est là où en fait où je sais pas comment faire. What the fuck? Du coup, Nemeysan, non? Tu ne veux pas. Tu ne veux pas? Très bien. Et tu es déjà parti? Ok, donc là au lieu d'avoir turrette point rotation, bah non, c'est bon. Turrette, qu'est-ce qui se passe? Ah merde, oui, c'est bon, ok, d'accord. Ça c'est le sprite. Ok. Bah non, alors, du coup, comment on peut faire ça? Pour la tourelle.
Alors, je ne connais pas Unity, j'ai fait un peu de C++ en mode apprentissage, j'aimerais me lancer dans un petit projet simple pour apprendre un peu plus. Du coup, je m'intéresse un peu à la façon dont tu fais, mais je ne veux pas déranger. Ah non, mais t'inquiète, tu ne te déranges pas. Alors, du coup, je pense que tu peux commencer par la série de vidéos que j'ai fait sur Unity sur YouTube. Je sais pas, je sais que tu ne fais pas de C++ au fait. J'en ai fait en fait du C++, j'en ai fait pas mal. J'ai fait un tower defense en C++, sans utiliser d'objets. Voilà. J'en ai déjà fait des C++. Bon, ça c'est pas des C++ effectivement, mais j'en ai déjà fait. Donc je vois à peu près ton niveau. Eh bien, ouais, je t'avoue que ce serait un peu long de tout expliquer comme ça direct. Ouais, sur ce projet-là, effectivement, c'est pas du C++. Ça serait un peu long de tout expliquer comme ça, Unity, tranquille, en 2 secondes. Donc pour l'instant, ce que je veux te proposer, c'est d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur YouTube, où j'ai fait un jeu de plateforme que j'ai pas terminé. J'ai fait un Pac-Man que j'ai pas terminé. Et donc là, on fait un Tower Defense. Voilà, tout simplement. Mais, ok. Non, je vois pas vraiment comment te résumer Unity en 2 phrases. Ça va être un peu compliqué. Donc tu peux suivre. C'est ressemblant au niveau architecture. Alors, la structure de Unity en termes de code, c'est le Entity Component Pattern. Entity Component Pattern, c'est quoi? C'est en gros, tous les objets ont des components en fait. Tu vois, par exemple, là, j'ai un. Par exemple, regarde, si je crée un sprite, un objet, un cube, voilà. Là, j'ai un cube en 3D qui est là, d'accord? Bon, là, je suis en vue 2D, donc on voit pas les autres trucs, mais. Ok? Et en gros, ce cube, bah, il a un composant transform, donc que tous les objets ont dans Unity. Tous les objets ont un transform parce que ça permet de définir la position de l'objet, la taille, ce genre de trucs. Et après, il y aura d'autres components, ce qu'on appelle des components ici, qui seront rajoutés. Donc là, je peux en ajouter autant que je veux. Et donc en l'occurrence, il a un box collider pour avoir la gestion des collisions, il a un mesh filter pour avoir les mesh, le modèle 3D, un mesh renderer pour rendre le truc si jamais je veux changer l'éclairage et tout machin. Bon, ça c'est pour la 3D, donc forcément c'est un peu plus compliqué que la 2D. Il a un matériel, etc. Et puis là par exemple, je peux rajouter des scripts. Il y a plein de trucs en fait de components. Et je peux rajouter donc des scripts qui vont affecter l'objet. Donc par exemple, dans le script, je peux mettre un update. Une fonction update, et dans la fonction update, je fais que si jamais on appuie sur la flèche de gauche, eh bien ça change le component transform, là, ça change le transform, et puis ça change sa position pour le déplacer, tu vois. Voilà, tout est basé là-dessus, en gros. Tout est basé sur ce système. J'espère que mon résumé était compréhensible. Mais effectivement, je peux pas vraiment entrer plus dans le détail, à moins d'y passer plusieurs heures. Voilà. Je m'y intéresse beaucoup en ce moment, justement. Ah, le SCS, l'Entity Component System, ok. Voilà, donc je sais pas si t'as des questions, et puis sinon tu peux essayer de suivre comme tu peux ce que je fais. Voilà. Donc, notre tour. Donc là en fait c'est là où on aura des problèmes. Et donc là, oui, donc là je suis en train d'utiliser ce qu'on appelle les scriptable objects pour faire, en gros, définir des trucs. Donc par exemple, toi là, j'ai défini mes unités, je sais pas si tu connais un peu Warcraft 3, genre de trucs. T'as un éditeur dans Warcraft 3, tu peux créer des unités qui ont une vie, une image, etc. Et en gros, là, dans Unity, j'ai fait à peu près la même chose avec ce qu'on appelle des scriptable objects. Et donc là, je peux créer une nouvelle tour, projectile, ennemi, machin, et mon ennemi, il aura des stats. Voilà. Et ces stats-là, je les ai mises ici. Sans code. Voilà. Et donc là, du coup, je pourrais dire, bah, je veux spawn tel ennemi. Eh bien, je vais prendre mon ennemi ici, et puis voilà, j'ai envie de le spawn ici. Donc bon, là, ça sera des waves, machin, ça. C'est un peu plus compliqué. Mais en gros, voilà, dans les waves, je définis l'ennemi qui est spawn, et l'ennemi, je peux le définir ici en mettant sa vie, sa move speed, son sprite, genre de conneries. Le script, c'est pour changer des données à la volée sans recompiler. Ah non, non, il n'y a pas de compilation. Enfin, il y a une compilation à chaque fois que tu builds ton jeu. Comment t'expliquer? Non, c'est pas, ça sert pas à ça. Ça sert à avoir une structure facile à utiliser en fait. En fait, là, je suis en train de faire de la métaprog entre guillemets dans Unity pour que quand je vais vouloir faire mes toutes mes unités, enfin toutes mes tours, mes projectiles avec l'attaque, la défense, enfin l'attaque, la vitesse d'attaque, la range et tout machin,
Si je fais pas un système comme ça, bah, ça sera hyper chiant et hyper long. Alors que si je fais un système comme ça, avec des scriptable objects, en gros, bah, je vais pouvoir définir mes tours très simplement. Je fais créer une nouvelle tour. Bon, là, mon script, il a des erreurs, donc c'est pour ça que tu vois rien. Mais voilà. Ça n'a rien à voir avec la compilation ou quoi. C'est complètement transparent dans Unity, donc la compilation est faite, j'imagine, intelligemment. Quand tu builds ton truc, il va pas tout rebuild à chaque fois. Enfin bon, c'est. Derrière, c'est du C++ Unity. Donc je pense que c'est assez intelligent. Voilà. Et puis tu peux faire des trucs extrêmement puissants dans Unity, c'est-à-dire que tu peux lancer ton jeu et modifier des variables comme ça à la volée. Sans recompiler pour le coup, parce que ton jeu est en train de tourner et tu peux changer les positions des trucs comme tu veux. Voilà. Donc voilà, si tu vois, c'est très bien. Ok, donc là je réfléchis en fait à un moyen de pouvoir définir une tour simplement. Mais le problème c'est que je vais avoir besoin de pas mal de choses. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir effectivement un transform, un sprite renderer. Non, on va mettre un transform, un game object, allez, qui sera notre base. Tower base. Et là, tower turret. Ok. Et ça, du coup, on va les assigner directement dans la préfab. Ah oui, donc on peut faire des préfab objects. C'est-à-dire que là, j'ai créé un objet qui ressemble à une tour. Qui est comme ça, avec un range, un machin, un bidule. Et en fait, je peux dire, bah, je veux sauvegarder ça dans un dossier. Là, voilà. Et là, je peux remettre une tour qui sera exactement la même que celle-là, tu vois. Et je peux aussi la créer comme ça, machin. C'est assez bien. Pas obligé de générer tout à chaque fois à la main. Donc, on a dit, allez, donc notre tower, elle aura donc une. Ah oui, donc j'ai toujours fait des erreurs. Et donc projectile, donc on aura la projectile behavior qui sera. Donc ça sera notre projectile template. Mais du coup, ça, je vais le mettre dans la tour en fait. Je vais le mettre dans la tower ici. Ouais, c'est ça. Donc ça sera projectile, c'est le l'aspect, enfin le machin. Bref, vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Ça va? Et là, on aura projectile behavior qui sera notre projectile template. En gros, comme pour les ennemis. Ça sera notre. C'est pas template, c'est plutôt genre modèle, sprite, mais j'ai pas envie de l'appeler sprite. Ça sera notre object, projectile object. Je sais pas. Entity. Bon. Moi je me comprends avec template, je vais laisser template. Bref. Ok. Et donc en gros. Oui, bah alors 2 minutes 1. Donc tout ça peut être défini directement, et ça du coup on va les garder dans la Tower Behavior. On aura effectivement un champ privé. Donc là on aura nos Tower Properties. Et on aura effectivement un champ privé qui sera donc le projectile. Qui sera donc le projectile. Et le projectile behavior, qui sera donc le projectile template. Right. Donc dans notre méthode init. Donc ça, du coup, on va l'assigner. On a donc la damage. Damage égale tower.damage. Ok. Le range. Range égale tower.range. Ok. Attack speed égale tower.attack speed. Ok. Le ready time. Ready time égale tower.ready time. Le cost. Je sais pas si on en aura besoin parce que en fait la tour, à partir du moment où elle est posée, quoi. Bref. Ensuite, donc là, le projectile, c'est tower.projectile. Le template, projectile template, ça sera la tower.projectile template. Et voilà. Et donc là, après, il nous reste à changer ça. Ok. Donc ça, du coup, on va le changer. On va récupérer la base. Et donc, c'est là où ça va être intéressant d'avoir la tower base et tower turret. On peut mettre un game object sur les deux ou un transform. Ça va être plus simple de mettre GameObject parce que du coup. Ah ben non. Si, si, ça va être plus simple. Tower turret. Donc là, du coup, tower turret. Point transform. Point rotation. Et ça, on va le copier partout. Hop. Tower turret, machin. Ok. Ici, on n'instantiate pas un projectile, on instantiate un projectile template. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que du coup, notre bullet. Point init, on lui rajoute ici le projectile. Ok.
très bien, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est la fonction fire, donc c'est cool. Le range est modifié, le follow target, on n'a pas besoin de le toucher. Ok, donc là on est tout bien, il faut juste changer maintenant la base de la tour, enfin les sprites de la tour en gros. Donc c'est là où ça c'est intéressant. D'ailleurs je vais le mettre. Notre base, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? On a une erreur quelque part? Projectile ne continue pas de... Ah oui, je l'ai enlevé. Donc le renderer.sprite, en fait, on le laisse, parce que notre projectile aura déjà le sprite dans le truc, dans l'objet, je vais y arriver, parce qu'on a déjà un préfab circle projectile qui a un sprite circle, donc un sprite nob, donc on n'a pas besoin de changer ça. Par contre, la couleur, on va la changer. Bref, et après, on a juste des... d'accord, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et le projectile, il lui faut envoyer les damages. Int damage. Oui, le projectile, quand tu le crées, il faut envoyer les damages que ça fait. Et donc ça, par contre, ça sera public int damage. Et donc, ici, on va mettre damage égale damage. 10.damage égale damage. Ok. Ça sera mieux comme ça. Comme ça, la target, du coup, regardez. Dans l'ennemi behavior, on peut maintenant rajouter remove life from enemy. Puisqu'on peut faire... Donc, on peut récupérer ici le projectile behavior qui contient toutes les informations dont on a besoin. Donc, ça sera le projectile. Et là, on peut faire... Donc, ça sera call.getComponent. Projectile behavior. Et là, du coup, on peut simplement enlever donc this.currentLife, moins égal projectile.damage, bim, on a tout bien. Et si currentLife est inférieur ou égal à 0, eh bien, on détruit l'objet. Oups. What? Attends, à chaque fois, ils étaient censés détruire? Et on va éventuellement animer si la truc. Alors, le truc ici, c'est que du coup, on a rajouté une barre de vie. Et donc, du coup, il va falloir baisser la barre de vie d'un certain montant. Parce que là, sinon, elle va rester figée. Bon. Alright. Ok, on va voir ça plus tard. Pour l'instant, c'est bien de mettre des to-do comme ça. Parce que comme ça, quand vous revenez dans votre code et vous vous dites, est-ce que j'ai oublié un truc? Eh bah oui. Là, il faudrait faire un to-do, machin, animate ennemi, etc. Donc, effectivement, c'est mieux. Moi, je mettrais plus ça sur le projectile, ça me saoule. Hein. Je mettrais, en fait, cette fonction sur le projectile. Parce que, en fait, si jamais on veut faire des projectiles qui ont un dégât de zone, eh bien, le mieux, c'est que quand le projectile arrive à sa destination, il fasse un cercle autour de lui, et toutes les unités dans ce cercle prennent des dégâts. Donc... La logique voudrait que même quand la cible, enfin même quand le projectile c'est juste un projectile qui vise une seule unité, on préférait que ce soit le projectile qui gère l'enlevage des dégâts, enfin le damage des dégâts, que ça quoi. Et le problème c'est que je ne sais pas comment on fait, puisque j'ai testé avec onCollider, onCollision 2D. Ah mais non, attends, j'ai mis quoi? Ah mais attends, je sais peut-être pourquoi ça marchait pas. Et oui, parce que j'ai pas mis la bonne fonction en fait. Normalement c'est onCollisionHunter2D. Ça, qui prend une collision 2D, je crois que j'avais mis collider. C'est pour ça qu'elle était jamais appelée cette fonction. Bon là ça devrait marcher. Ok, et je pense que j'ai zappé pas mal de to-do là. J'aurais dû en mettre beaucoup plus, parce que là je ne sais plus où j'en suis. Très bien. Dans l'init, pourquoi? Ah oui, donc les sprites. Oui, pardon, excusez-moi. On reprend la tour. Donc là, on va faire le sprite renderer de la base. Donc sprite renderer base renderer. Ça va être le tower base. Enfin, get component. Sprite renderer. Ok. Le base renderer, je lui définis le sprite à base sprite. Le base renderer, je lui définis la couleur à base color.
Je prends maintenant le renderer de la tourette. Pardon. Tower. J'ai mis le tower ici. Hop. Le renderer qui est égal à tower turrette. Tower turrette. Point get component. Sprite renderer. La tourelle, du coup, je définis ça, son sprite comme étant tower. Alors c'est la tower.turette sprite. Sprite. Pourquoi ça s'appelle pas sprite? Quel est ce délire? Turette sprite, s'il te plaît. Merci. Turette sprite. Le turette renderer.color qui est égal à tower.turette color. Et maintenant la size. Ah non, la size, on a dit qu'on la faisait, on la faisait pas. Donc on la faisait pas. Voilà. À la limite, je pourrais mettre un sprite renderer, mais en fait, la tourelle, j'en ai besoin pour la tourner et tout. On peut éventuellement faire en sorte de friser la rotation. Parce que si jamais on fait un sprite, une tourelle qui ne bouge pas, par exemple, qui tire comme ça, on pourrait éventuellement avoir un petit... booléen qui freeze ici, bool freeze rotation. Alors je pense on peut mettre des defaults, je sais pas si on peut mettre des defaults. Alors si je mets false, normalement il va pas me gueuler dessus, mais par exemple si je reprends ma tower init take deux arguments, bah les changer ça. Ah non, il prend les damages, pardon. Ok, vas-y, compile, blablabla. En fait, ouais, c'est ça, il recompile les scripts à chaque fois. J'ai aucune erreur et aucun warning, c'est magnifique. Donc maintenant, si on revient dans notre tower ici, bah j'en ai pas. Mais si par exemple j'en crée une, normalement la case est décochée par défaut. Ok. Donc là, ça va être notre tower, basic tower. Et là, du coup, c'est sympa parce qu'on peut tout faire. Les damages de la tour, ça sera 1. La range, on a mis combien pour cette tour? Ah bah, je sais plus. Lol. D'ailleurs, comment il me dessine le gizmo là, sachant qu'il n'y a pas la range? Le cost, pourquoi il est public? Ah oui, parce que je voulais le checker, machin, mais attendez. Tower behavior, ça, on non-serialize. Using system. C'est comme ça? Non-serialize, voilà. Ça, c'est pour pas l'afficher ici, parce que j'en ai pas besoin, en fait. Du coup, la base, ça sera ça. La tourelle, ça sera ça. Voilà. La tourelle... Ah oui, mais le canon, en fait... Ouais, c'est ça, le truc, en fait. Le truc, c'est que ça devrait être un sprite. D'accord? Ça devrait être un sprite. Et la base, ça devrait être un sprite. Un autre sprite. Donc... Ok. Donc là, du coup, on va... Alors, je voudrais tester un logiciel putain, je vais y arriver. De pixel art qui s'appelle ASSprite. Je crois que je l'ai déjà testé. Je l'ai déjà téléchargé. Non. Ah non, on l'achète. Putain, j'ai pas un truc qui s'appelle à préparer sur Steam. Putain, je me souviens plus. Je crois que j'avais acheté un truc pour faire du pixel art. Bon, ah, et on peut faire de l'animation aussi, mais c'est trop bien. C'est génial. Je me souvenais plus. Avec l'oignon, machin, etc. Ok. Alors, je crois que j'avais un logiciel, c'est Spriter Pro, que j'ai pas installé. Ok. Bon, je verrai ça plus tard, hein. Vous n'êtes pas vraiment intéressé, je pense, par ça. Donc, on va ouvrir Photoshop et on va faire nos sprites. Donc, on va faire la première tourelle qui ressemblera à ça, en fait. Donc voilà.
Donc, je sais plus combien on a fait. Bon, on va faire un truc genre 100 fois 100. Comme ça sera vraiment high résolution. Et donc 100 pixels, c'est OK. Donc, non, du coup, on va pas la faire à 100 fois 100. On va la faire à... Si, si, bon, c'est bon, c'est très bien. OK, bon, là, du coup, il nous faudra deux parties. Donc, on va étendre la zone de travail à largeur. Sachant que la tourelle sera plus petite. Bon, 200, ça sera suffisant. Très bien. Donc, on va faire une première partie qui est un cube de 100 fois 100. Voilà. Qui sera donc... on va le colorier foncé. Non, clair, on a dit. Clair. Genre comme ça. Et la deuxième partie, ça sera la deuxième partie. Ça sera le... La tourelle. Ah oui, mais non. Ok, d'accord. On va l'agrandir encore un peu. 300. Hop, de ce sens-là, merci. On va faire 80 par 80 pour le haut de la tourelle. Hop. Donc ça par contre ça sera un peu plus foncé. Hop. Voilà. En gros je suis grosso merdo en train de refaire la tourelle que vous avez vue, bref. À la limite ce que je peux faire, merde. Ce que je peux faire c'est faire un carré de 100 fois 100. Hop. Je prends à l'intérieur un carré de 80 par 80. J'essaye de le centrer à peu près comme il faut. Je crois qu'il est décalé comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on le monte d'un cran. Et là sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je crois que c'est bon. Right. Donc là du coup on peut CTRL X, CTRL V. Voilà. On peut le placer à l'intérieur. Et donc on a notre tourelle comme ça. On va faire effacer. Pif, paf, pouf, voilà. Et on va faire donc le bord de la tourelle. Enfin, le canon, quoi. Salut, sir infâme. Sir infâme. Là, pareil, il nous faudra faire un truc qui soit au milieu. On va le mettre en largeur 50, hauteur 15. Allez. C'est assez gros, ça. C'est assez gros, ça. Non, clairement pas. On va augmenter un petit peu. Hop. Largeur 30 du coup. Enfin, hauteur 30 et largeur comme ça. Alors, est-ce que c'est centré? On peut le vérifier très simplement. Il suffit de faire ça et de faire ça. Et c'est centré. Magnifique. Donc voilà, c'est notre tourelle. Ok? Enfin, c'est les sprites de la tourelle. On va enregistrer ça dans le bureau. This is not a tower defense. Toc. On va mettre ça dans base tower. On va l'appeler base tower. Hop. Bim. Et voilà. Maintenant, on a fait les sprites pour la tour. Qui ressemblera à ça, du coup. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le canon ne sert plus à rien. Si, il nous faut en fait le point du canon, en fait. Je pense, non? Ou alors le sprite partira du milieu de la tour. Hein. Ouais, franchement, c'est pas très grave si. Pardon. C'est pas très grave si le sprite part du milieu de la tour. Non, je pense pas. Ça posera pas de problème. Bien, maintenant si on va dans les sprites, tuc, on va mettre un folder towers et on va foutre notre fichier dedans. Donc, on est sur du pixel par unit 100, c'est très bien. Là, je vais juste vérifier, vous voyez, que c'est à peu près bon. Bon, les couleurs sera... Ouais, c'est un peu trop foncé. Bon, c'est pas grave, on va se démerder. Je pense. Non, on va pas se démerder du tout. C'est un peu trop foncé, donc on va juste changer les couleurs. Donc ça, on va passer en gris comme ça plutôt. Et ça, on va passer en gris comme ça plutôt. Sachant qu'on pourra mettre des couleurs, enfin on pourra faire d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Hop, on va le réimporter. D'ailleurs, je ne sais pas si ça marche. On va supprimer et réimporter, ce sera mieux. Voilà, donc 100, tatatata, filter mode, no filter. Et maintenant, on va éditer nos sprites. Alors, ah oui, d'ailleurs, hop, multiple. Toc, on va prendre un 100 x 100. Hop,
qu'on va mettre ici. Le pivot, ça sera le centre, on est d'accord. Maintenant, on va copier ça, d'accord. Ah non, c'est vrai, on peut pas. Donc, ce sera base. Ça sera la base. Et du coup, on aura la tourelle ici. On peut prendre éventuellement juste ce qu'il nous faut, hein, c'est pas très grave. Toc. 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 Voilà. Et le pivot, par contre, on va le déplacer ici. Donc, ça sera en Y0,5, logiquement. Et là, c'est là où il va falloir trouver la bonne valeur. Et c'est là où ça va être un peu pourri. Voilà, voilà. Très bien, parce que là, du coup, j'ai aucun moyen de vérifier que c'est centré, en fait. En fait, il faut calculer, d'accord. On va calculer. Ah bah non, j'ai la taille. Dans Unity, j'ai la taille. Donc, on a une width de 140. Ok. Sachant que... On fait des maths. Sachant que la tourelle, c'est-à-dire que ce truc... ce truc, il fait... Combien ? Il fait 60 de largeur. Ça veut dire que la base fait 80. Bah, on sait que c'est 80. D'accord. Donc, il nous faut notre pivot à 40 pixels. D'accord. Et donc, 40 pixels sur 140, c'est combien? Eh bien, il suffit de faire 40 divisé par 140, ce qui nous fait 0,28. Enfin, ça fait un truc un peu compliqué. Donc, on va copier ces valeurs. Et puis là, on est sûr d'avoir le point au milieu. Voilà. Donc, c'était à peu près ce que j'avais mis. Bref, on s'en fout. Et donc, ça sera la turette. Et on apply. Bon, j'espère que c'est bien. Voilà. Comme ça, on a le pivot là où on veut, et là, on a le pivot bien au milieu. Ok. Donc là, on a la base, on a la turette. D'accord. Ce qui se passe maintenant, c'est que le canon, on n'en a plus besoin. Parce qu'en fait, on va changer le sprite. Le truc, c'est que en fait, voilà, le canon... le transform, on le mettait directement en fait à la turette. D'accord. Ok. No problem. Alright. Donc, du coup, le canon, on en a vraiment plus besoin, en fait. Le canon, on n'en a plus besoin. Hop. Donc là, on a la turette, tout simplement, la turette. Et là, on a la base, d'accord. On peut les mettre des couleurs qu'on veut, parce que de toute façon, ça sera changé. Donc là, par exemple, ça, on va la mettre un peu gris, genre la moitié, par exemple. On prend le preset comme ça, je sais pas, bref. Et la base, on peut la mettre blanche, c'est pas grave. Hop, voilà. Comme ça, une tour, ça ressemblera à ça, mais ça sera pas exactement comme ça, quoi. Vous voyez ? Donc là, par exemple, ça va être 0,75 par 0,75, et la base, par contre, ça sera 1 par 1. Voilà. Voilà, c'est une tour. Tout simplement. Ok. Je comprends pas pourquoi il continue à me draw le gizmo, sachant qu'il y a rien. Donc, tower base, tower turret, on les met là, et c'est bon, et c'est tout. Et maintenant, on peut faire ça, ça. La mettre au milieu, ok, cool. Et voilà. Et maintenant, quand on va dans notre tower ici, Basic Tower, on peut setter les sprites comme on veut. Donc, on peut aller récupérer nos sprites ici, là, et là mettre la base du sprite, la turette du sprite, la couleur, on n'oublie pas de changer l'alpha, c'est blanc. Enfin, en gros, on va pas mettre de couleur, en gros, ça va prendre des trucs. Le projectile, donc il nous faut le projectile... Celui-là. Donc le projectile, ça sera projectile, base projectile, standard projectile, default projectile, circle projectile. Ah non, ça va être circle projectile, ça. Circle projectile, ok. Bon, sinon on peut mettre projectile 1 et puis on s'en fout. Ou alors base tower projectile. Bon, à la limite, du coup, le projectile, on n'est même pas obligé de faire projectile, en fait. On peut tout mettre dans la tour, en fait. Base tower projectile. En y réfléchissant, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on va l'assigner à la tour. Ok. Donc, ça sera le projectile. Et le template du projectile, ça sera éventuellement, ça deviendra le sprite, hein, de toute façon. Parce que le template, en vrai, il n'y en a pas besoin. Ah, bah si, parce qu'il faut lui ajouter le. Ok, c'est pas grave. Et voilà, éventuellement ça, le projectile, en fait, on va le virer et on va mettre autre chose. Okay.
Donc damage 1, la range, je ne sais plus ce que j'avais mis, je crois que j'avais mis 2,5 ou un truc comme ça, je ne sais plus du tout. Ouais, je crois que c'est ça en plus, 2,5, c'est ça. Attack speed, on avait mis un peu moins d'une seconde, 0,8 par exemple. Le temps pour se mettre ready, 0,3 par exemple. Le cost, on va mettre 5. Et puis voilà. Donc là, on a notre tourelle. Ok? Le truc, c'est maintenant qu'il faut placer la tourelle. Donc il va falloir commencer à faire le HUD avec tout le bordel. Pour avoir le nombre de gold qu'on a, cliquer sur les tours et machin et trucs. Et ok. D'accord, ça va le faire, ça va le faire. Ok. Alright. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va faire une pause. Déjà, 46 minutes. Non, on va pas faire de pause. On va en continuer un petit peu, un quart d'heure, un truc comme ça, et puis après on verra. Donc, on a notre tour. Maintenant, on va apply tout ça à notre tour. Il aura toujours le tower behavior, machin truc. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est tester. Ouais, mais pour tester, il faut placer la tour en fait. Il faut faire la HUD là. Il faut faire la HUD pour placer les tours, au moins. Ok, bon, eh bien on va faire le HUD pour placer les tours. Très simple. Donc, les HUD, on va faire un nouveau canvas. UI canvas. Qui sera donc le HUD. Ça s'appelle pas HUE du tout d'ailleurs, ça s'appelle pas, ça s'appelle GUI ou UI quoi. Bref, on s'en fout. On va l'appeler Canvas. Ok, à l'intérieur de ces Canvas, nous allons mettre. Donc, sachant qu'il y aura notre jeu déjà de base, ouais putain, le Canvas est immense. Le Canvas qui prendra d'ailleurs l'overlay. Ok, display 1, machin truc. Constante pixel size. Ok, constante pixel size. Ça me va. Ouais. Donc, à l'intérieur, on va mettre un texte pour le gold. Là, en fait, on va créer un petit object qui sera en 0000, qui sera en fait notre player. Tout ce qui sera related au player, quoi. Donc. Ça sera juste un script en fait. Player behavior. Oops. Behavior. Hop. Donc, pour garder le nombre d'or qu'il a, etc. etc. Bon. Bon, là en l'occurrence, ça va être juste vraiment le nombre d'or qu'il a. Asset dans script. Et dans script, on met ça dans behaviors. Script behaviors. Ok. Ok. Bon, d'ailleurs, je suis pas du tout obligé de mettre ça dans des sous-dossiers, je pense. Ouais, je pense que c'est pas utile. J'ai que deux fichiers par dossier, c'est pas génial. Hop. Voilà, on a tout. Pas la youtubeuse. Ok. Donc, canvas. Alors, player, pardon. On va modifier ce script. Et donc qu'est-ce qui se passe? On start avec un start gold. Donc on a public. Donc ça on va l'appeler player. Comme ça on peut le récupérer de n'importe où. Voilà, on a un tag player déjà. Tout fait pour nous. On va donc avoir le nombre de gold. Et on aura un. Donc ça sera non serialized. Par contre. On aura un starting gold qu'on pourra serialized. Qu'on peut mettre privé, mais qu'on va serialized. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc start this.gold égale starting gold. Ok? Enfin, gold égale starting gold. Ok? Voilà, c'est tout. C'est tout pour l'instant, on revient plus tard. Donc là, on attend un petit peu, on va pouvoir setter les starting gold à genre 10 pour pouvoir acheter des trucs. Ok. Dans le canvas,
On va récupérer, on va faire un texte, donc UI, pardon, texte, duc, qu'on va mettre en haut. La position avec, s'il te plaît, et shift, le pivot également. Non, le pivot, c'est. Merde. Ouais, c'est très bien comme ça. Bon, bref. Donc, et là, on va mettre gold, deux points, avec le nombre de gold. Voilà, tout simplement. Donc, la font size, on va l'augmenter un petit peu. On va augmenter un petit peu la taille aussi, 200 par genre 50. Voilà. On va le mettre comme ça, comme ça. On va lui mettre du padding. Est-ce qu'on peut mettre du padding, s'il vous plaît? Padding. Alors, pour mettre du padding, c'est très simple. On va créer un panel. Voilà. Qui sera complètement transparent. C'est juste pour mettre du padding, en fait. Attendez, mais je crois qu'en plus, il y a du padding, non? Attendez. Attendez. Tédédé. Voilà, bref. Bon, ce qu'on peut faire, c'est ça. Et donc, on peut mettre à l'intérieur du panel. Le panel, lui, on le met bien en haut. Avec le pivot en haut, tout en haut, quoi. Voilà. Et la taille du panel, par contre, on va la réduire à genre en haut, quoi. Donc 200 par 100. Non, par 50, par exemple. Voilà. Et pour mettre du panel, l'idée, c'est donc du coup. Enfin, du padding. Bah non, ça marchera pas comme ça en fait. Si, 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 ça marchera. Éventuellement, je réduis du coup la width à 180 et la height à 40. Et comme ça, je peux centrer mon truc par rapport aux parents. Et donc, ça me met un petit peu de padding. Voilà. Donc là, en fait, si je change ça, mon truc, ça sera centré avec du padding. Ça sera bien. Vous voyez, là, je peux mettre comme ça par du padding, etc. Bon, bref. Ok. Voilà, on va mettre comme ça, donc 210, voilà, 210 et 52. Cool. Le texte, ça sera du bold, 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 bam. Et ça sera jaune parce que voilà, éventuellement, parce que c'est des gold quoi, c'est un nombre de gold, donc ça sera jaune. On va réduire un peu, non, on va pas mettre transparent, on va réduire un peu le jaune, la jaune lassitude. Voilà. Best fit, ça peut être bien si on change. Ah, bah non, ça change pas la taille du truc. Oui, bah je sais pas. Ok, non, donc pas best fit. Et du coup, ça, on va remettre 210, 60. Ok, René Games, ça avance? Oui, ça avance tranquillement. Là, on va commencer à attaquer l'interface parce que je vais tester en fait le tour. On a fait un scriptable object sur les tours maintenant. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir placer les tours et mais le problème c'est que du coup j'ai pas encore fait l'interface quoi, c'est tout. Donc là on va copier-coller ce panel. Donc ce texte il aura un behavior gold text, on va appeler comme ça gold text, voilà, qui aura donc qui sera dans script. Allez. Script, merci. Gold text. Behavior. À la limite, ce que je peux mettre, c'est. Genre, là, je mets un dossier player. Puis, on va tout mettre dedans. Hop. La behavior. Player behavior. On va la mettre dedans. Et oh. Parce que c'est pas vraiment une behavior en vrai. Bon, c'est pas. Ok. Gold text. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a juste un update dedans, tout simplement. Hop. Update gold text, du coup on doit si on va avoir un start quand même. Okay. On aura un start et on va définir donc player behavior. On va l'appeler player, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc ça, on va l'appeler player. Oups. Hop. Hop. Voilà. Et ça, on va l'appeler. Ah bah, je l'ai plus. Très bien. Player. Et on va l'appeler player. Ok. Donc gold text, on a un player. Le start, on le fetch, enfin on le récupère. Donc c'est gameObject.findWithTagPlayer. Ok. Et donc dans l'update, on peut faire fixed update par exemple. Je sais pas, on s'en fout. Ouais, fixed update. Ah, oh, je sais pas où le mettre en fait, ça me saoule. Ah oui, on récupère le texte aussi. Private. Texte, donc là je l'ai pas, donc il faut importer une
utility-engine.ui. Okay. Ça sera notre text. Text égale get component text. Right. Et donc dans l'update, on fait text.text égale text. Égale gold de point plus player.gold. Ok. Bon, le problème, c'est que ça va update ça à chaque seconde. C'est peut-être pas utile de faire ça. Bon. Ouais, on va voir. Cannot implicitly game object to player. Bam, 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 bam. Get component player. Pardon. Alright. Merci. Donc maintenant, le gold, il doit afficher 10. Théoriquement. Voilà, on a 10 gold. Cool. Alors, c'est vrai que les ennemis sont tout petits parce que j'avais pas changé. Ennemi wave 1, on va les mettre à 0,5. Alors, je viens de m'apercevoir que le fond de la caméra est blanc. Donc on va plutôt le mettre genre noir, on verra plus tard. Éventuellement, on va déplacer la caméra en X pour avoir tout le HUD sur ce côté-là en fait. Donc je sais pas combien en fait. Voilà, comme ça. Comme ça, on aura le HUD sur la droite ici. Donc là, normalement, on a sur fond noir avec gold ici. On a la vie et on a une tour au milieu qui sert à rien. On va apply ça et on va pouvoir la supprimer. Toc. Ok, maintenant, on va continuer à faire le truc. Alors, hop, voilà. On va copier-coller. Hop, un deuxième panel qui sera donc ça je vais mettre gold panel, hop, voilà, lives panel, donc ça affichera les vies, donc on va déplacer le panel juste en bas comme ça. Ah oui, mais ça marchera ça si on, bon je sais pas. Okay. Donc ça sera lives left x qu'on va mettre en bleu comme ça par exemple, et on va lui mettre du coup pas un gold text mais un live text. Alors le mieux je pense c'est dans player. Ouais, je pense que ça sera mieux. Donc, dans le player, non, ça du coup tu dégages, ça en fait, du coup, ça nous empêche de faire un truc, remove, delete, voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que gold text, ça n'existe plus, enfin j'espère, je sais pas si on en a créé un autre, je sais pas où. Donc, on va mettre, donc ça du coup, au revoir, merci, on va en fait lier les textes directement à player. Ouais, c'est pas ouf, mais bon, j'ai pas d'autre solution pour l'instant. Donc, serialize field private text. Donc, on va using unity engine.ui. En fait, du coup, ça va nous éviter de update à chaque fois qu'on fait un truc. Vous allez voir ce qu'on va faire. Donc, ce sera gold text. On aura la même chose avec le. Oups. Les live text. Live text. Éventuellement le current wave, mais ça sera géré je pense via le enemy spawner. On aura ici waves et là on aura private le text qui indique le numéro de la wave. Ok, wave text, right. Et c'est là en fait ce qui est intéressant, c'est que le wave text on pourra donc le changer uniquement ici en fait. Donc là, on peut mettre simplement wave text égale wave, enfin wave text.text égale wave 0, enfin wave 1 d'ailleurs. Et en bas, on va le setter ici à wave plus current wave plus 1. Ok. Parce que la première wave, c'est la wave 0. Et là, en fait, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas la wave 0. La première wave, pardon.
La première wave, dans le tableau, c'est la wave 0, sauf que celle qu'on va afficher, c'est 1. Donc on va faire plus 1 pour ça. Et non, j'ai pas du tout à supprimer ça, je sais pas pourquoi je fais ça. Donc on plus égale 1, et comme ça on change la wave directement ici. Très bien. On aura éventuellement des temps d'attente entre chaque wave, parce que ça va aller... Sinon ça va aller un peu trop vite. Right. Donc ça c'est bon. Donc là il faut juste lier le wave text qu'on va rajouter du coup. Donc ça c'est le live text, on est good. Et donc du coup on va rajouter le wave panel avec à l'intérieur, donc le wave panel qu'on va bouger genre là. À la limite ce qu'on pourrait mettre c'est un panel. Ok, vous allez voir. En fait, on peut mettre un panel qui va inclure... Ouais, en fait je suis un mongol mais bon c'est pas grave. Qui on va mettre sur le côté en fait. Voilà, hop, très bien. Qu'on va mettre sur le côté, qui sera transparent. Ou pas, on verra. Et là on peut faire en fait un layout. Voilà, vertical layout. Et là on peut mettre des paddings, du machin, des trucs bidules. Donc là dans notre panel, ça sera notre vertical grid, en gros. Le gold, il va aller là-dedans. Le truc, donc ça sera gold text. Ça sera live. Non, ça sera what? Ah, j'ai pas bougé le bon. Ça sera live text. On va aussi mettre là-dedans. Et ça sera wave text. Ok. Ça du coup ça sert plus à rien. Et là vous voyez que on a un padding et tout tranquille bien. Donc child force expand. On a mis combien du coup la taille? Je sais pas combien c'est. Bon, c'est pas grave. On va mettre 300, voilà, 300 tout pile. Et la taille, bah, c'est la taille du canvas. Très bien. Donc c'est là où en fait, donc ça on n'exporte pas la height, voilà. Et par contre, on va mettre, et donc child element upper left, oui on s'en fout. Le spacing entre chaque élément, on va l'augmenter. On va mettre genre 10, 20, bon en fait 0 c'est très bien. Par contre le padding, c'est important, left, on en met genre 25. Et top, on en met genre 25. Et puis on va mettre 25 partout comme ça. Tranquille. Voilà, comme ça on a un truc comme ça. Wave text, on va mettre wave X. Ça on va mettre genre en rouge parce que c'est les waves quoi. Ok. Et puis voilà. On va voir juste choper la caméra. Ah merde, il n'y a pas le texte. Pourquoi il n'y a pas le texte? Bon. Donc du coup, l'enemy spawner, on peut. Le wave text il est là. Et maintenant le player, on va lui assigner donc le gold text et le live text. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans player, on va faire une fonction publique pour add gold int amount qui va faire gold plus égal gold amount et qui va changer le texte gold text point text égal gold 2 points plus gold. On va faire une fonction remove gold. Bon, sinon ce qu'on peut faire c'est deux fonctions privées update gold text, voilà ça va être plus simple je pense, gold text.text égale gold plus gold, et en fait alt gold ça va faire un gold plus égal amount et ça, et remove gold, et là c'est là où c'est tricky, c'est que là je vais appeler alt gold sauf que je vais mettre moins amount, waouh, pour éviter de recoder exactement la même chose. Et donc pareil pour les vies en fait, add life int amount, donc là je vais mettre update lives text, on va l'appeler comme ça, hop, live text.text égale lives left plus donc c'est là où on aura les lives bien entendu, non c'est un live lives, ah oui, starting lives aussi d'ailleurs. Size field private int starting lives. Live égale starting lives. On va le mettre en dessous. Logiquement, je vois pas pourquoi je le mets dessus. Ok. Et donc, on va faire pareil. Lives démarre à starting lives. Et donc, live left, c'est plus lives. Et dans addLife, on va faire lives plus égal amount. Et on va faire update lives text. Et donc remove lives int amount, ça va faire exactement comme l'autre. On va appeler addLive avec moins amount. Waouh!
Très bien. Donc comme ça, dès qu'on voudra ajouter du gold, enlever du gold, ajouter une vie, enlever une vie, etc. machin, eh ben, on pourra le faire là. Et on peut le faire tout de suite directement parce qu'on a déjà un truc, regardez, dans Enemy Behavior. On a un magnifique to-do. Non, c'est pas là. On a un dans End, pardon, End Région Behavior. On a un magnifique to-do, remove one life, qui est très simple. On va faire void start. Dans le start, on va lui mettre l'objet player, private player player, qui sera donc player égale get component. Non, pardon, n'importe quoi. GameObject.find with tag. C'est quoi la différence entre ça et ça? Returns one active, returns null is no game. C'est quoi la différence entre ça et ça? Bon, find with tag player.getComponentPlayer. En fait, je pourrais carrément. Je suis con en fait, je pourrais directement faire ça. Find GameObject with type. Find object of type. Voilà. Et les mettre directement player. Ça marche, ça? Et donc là, je peux faire directement player.removeLives. Une. Non, removeLives. Ah, et c'est là où c'est intéressant, parce que regardez. Maintenant qu'on a notre ennemi, on peut faire l'ennemi, en fait. Ennemi, pardon. Ennemi behavior. Ça va être notre ennemi. Et on peut carrément, parce qu'on a pensé à tout, parce que voilà. On peut carrément faire ça maintenant. Enemy behavior, machin truc. Donc ça, du coup, on va changer tout ça. On va mettre enemy. Et ici, on peut simplement faire enemy. Je l'ai pas mis en public. Value. Bah, ça s'appelle value en fait. C'est juste que je sais pas. Value. On va lui enlever le nombre de vies égal à value de enemy. Ok. Donc là, du coup, on a fini avec ça. Et donc, je vais juste faire un truc. Il n'y a pas de truc où j'ai fait player. Ah bah non, du coup, non, c'est bon. Là, je pense qu'on va faire pareil. On va faire une petite fonction privée. Private void update wave text. Ok. Wave text. Point text égale wave plus wave. Current wave, pardon. Plus 1. Donc là, on va faire update. Ouais, texte, tac tac tac, plus 1, hop, et là on va appeler update, ouais, texte. Ah oui, j'ai oublié un truc dans player, c'est qu'il faut appeler au début update gold text, bien entendu, et update live text. Ok, donc là du coup on a HUD avec des nombres qui marchent. Le problème c'est qu'on ne peut pas les utiliser, il y a juste les vies qui vont marcher en fait, vous allez voir. Donc ça en est bon, je sais pas si ça en est bon, allez, animate enemy, on verra plus tard. Ok. Donc, là ce qu'on a c'est un HUD avec ça, qui marche. Donc là par exemple, regardez, je vais lancer le jeu si j'y arrive. On va avoir nos gold et nos vies qui sont affichés. Là le problème c'est qu'on en part de vie négative parce que j'ai mis starting life 0. On va mettre 25 vies par exemple. On va mettre notre waves. Wave 1, non pardon, notre enemy wave 1, on va les mettre un peu moins rapides. Genre 2. La size, machin, comme ça, etc. On va les remettre bleus comme avant. Hein. Voilà. Et il y en a combien? J'en ai pas vu. Il y en a 2, je crois, dans la wave. Hop, hop. Bon, là, on n'a pas de tour. Donc, forcément, c'est un peu compliqué de jouer. Mais vous allez voir que quand ils ont passé à la fin, ça va nous enlever des vies. Et ça va mettre à jour sur l'interface. Voilà, voilà, donc attention, pouf, pouf, voilà, et donc là on est passé à la wave 2, et donc là ça spawn les gros trucs pavots. C'est pas magnifique? Bon là du coup ça fait une heure, je vais faire une pause. Et là, eux en fait ils enlèvent 5 vies, je sais pas si vous vous souvenez, eux on a défini qu'ils enlevaient 5 vies, value 1, et l'ennemi wave 2, ils enlèvent 5 vies. Donc normalement, là, le life left, il devrait être diminué de 5 à chaque fois qu'il passe. À chaque fois qu'il y en a un qui passe. Donc on devrait terminer à 8 vies, quoi. En gros. Et... Donc là, bim, moins 5. Moins 5, et il nous en reste 8. Moins 5. Bam. Donc là, wave 3, elle est pas codée. Donc c'est normal que ça fasse ça. Ok. Cool. C'est trop bien, les scriptable objects. Je surkiffe. C'est l'avenir. Est-ce que vous avez des questions avant que je parte en pause? Et sinon, est-ce que si jamais vous avez des questions après que je sois parti en pause, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat, bien entendu.
Voilà. Donc, je vais faire une petite pause. Et après, on va, je pense. Attendez, je vérifie un truc parce que je sais pas si j'arrête complètement ou pas. Et oui. Eh ben non, du coup, je ne pourrais pas jouer. Je ne pourrais pas continuer, pardon. Donc, du coup, bah, ça sera terminé pour aujourd'hui. Voilà. Donc, ça sera terminé. Donc, vous n'avez pas de questions. Très bien. Bah, écoutez, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch. Je vais poser. Ma chaîne YouTube, pardon. Je vais aller upload les vidéos sur YouTube, comme vous l'avez vu, pour les deux autres, les deux premières. Et puis, si jamais vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas pensé à poser, posez-les dans les commentaires de la vidéo et j'essaierai d'y répondre. Dès que je peux. Voilà. Écoutez, merci encore à tous d'être passés. Je n'ai toujours pas compris pourquoi Galette26 a très mal réagi à ma réponse. Voilà. Je suis un peu déçu. J'ai pas compris ce que j'ai. Enfin, j'ai pas compris ce qui dans ce que j'ai dit, ce qui était mal, bien, machin. Voilà. Bon. Ce n'est pas grave. Très bien. Donc, je vous dis à demain, du coup. Demain, prochain live à 14h comme aujourd'hui. Et je pense qu'on aura moyen de terminer la structure du jeu. C'est-à-dire qu'on aura fait tout ce qui sera possible de faire pour la structure du jeu. Et on aura, du coup, juste à faire le game design, c'est-à-dire de faire les tours, les ennemis, de designer les sprites, les machins, les effets, les animations, et tout comme ça. Ça sera ce qui nous restera à faire. Et donc, du coup, ça sera, je vais le faire, donc, du coup, en rentrant des 2 semaines. Donc pas la semaine d'après, mais ni la semaine d'après, mais la semaine encore d'après. Le 11 février sera la reprise des lives. Voilà, merci encore, et je vous dis à demain pour ceux qui viennent demain, et puis à dans 2 semaines pour les autres. Au revoir, et bonne soirée à tous.